Heureux tout le monde. Apparemment ça diffuse. J'espère que vous allez bien. Moi je suis encore barbouillé, ça m'énerve. En semaine, en général, je vais bien. Et le week-end, je veux m'amuser en votre compagnie. Et là j'ai la frustration de me sentir claqué de ma semaine. Pourtant je fais pas de choses extraordinaires, mais en ce moment, cette année, la mauvaise saison, je la mange à pleines dents. Mon organisme est patraque. Généralement je suis plus coriace les... D'habitude, ça m'énerve. Là, je me sens vieillir, là, pour le coup, ça me fait suer. Je me sens plus fragile que la normale. Mais bon, on va passer une bonne après-midi ensemble. Si je me sens... Oh là là, j'ai écorché le titre. Si je me sens pas bien, je coupe l'antenne et on se retrouvera... Enfin, moi, je serai la voix off à 21h09 de Fun Fan pour le vote samedi commenté. Là, le samedi commenté, on le fera sans souci. Voilà, j'ai corrigé ma bourde. Et voilà. Bon, là, avant de reprendre l'antenne, je viens de me faire une aspirine. Donc, ça devrait aller mieux. Mais voilà. Alors, je me ménage. Je vais faire moins ma pipelette que d'habitude. Parce que j'ai besoin de récupérer de l'énergie. Alors, je vais être moins bavard. Mais ça ne m'empêchera pas d'interagir avec vous et de jouer pour le moment. Si je vous dis, si je me sens vraiment pas bien, que mon état de santé décline, je vous le dis en direct et on coupe. Mais là, je reste relativement confiant. Bon, je vais allumer la console déjà. Ah voilà. Refun fan. Ouais, y a SDR, donc de vol qui a pêché un déchet. Pas de chance. Mais c'est chiant de se sentir fatigué alors qu'en temps normal on sait qu'on devrait avoir la forme. Mais là. J'ai l'impression. Oui, je coupe ma zic. J'ai l'impression que je me mange la. Ah, j'ai pas mis de chrono pour le tableau mystère, merde. On le fait dans quoi? On le fait dans. Peut-être dans 5 heures. Oh non, là on va faire un petit point tableau mystère dans 3 heures. Allez hop. N'importe quoi, il me met 2h17 du coup. Mon truc est bugué. Je corrigerai ça dans les jours et semaines à venir, là. C'est un gadget, c'est pas grave. Bah j'espère que ça va être mon cas, c'est-à-dire d'aller mieux en votre compagnie, quoi. Mais oui, si mon état se décline, non, je penserais pas, je couperais l'antenne, je ferais peut-être une petite sieste, je sais pas. Mais c'est chiant, parce que j'ai vraiment envie de passer un bon moment en votre compagnie, de me changer les idées de ma semaine. Et d'avoir l'organisme qui suit pas, c'est frustrant. C'est frustrant. Alors. J'ai un petit peu joué en antenne. Souvenez-vous, j'avais déverrouillé la grille par rapport à l'énigme aux 6 animaux. Et en fait, j'en ai profité pour faire du tri dans les inventaires et tout. Et il manque une. Je sais où elle est. Les trois tablettes, il en manque une. C'est la cochonnerie qui est sur le pilier à l'entrée. Le truc qui brille sur le pilier à l'entrée du manoir. Aïe aïe aïe.
Ouais, enfin se reposer de manière générale, SDR, voilà. Mais je suis frustré de me dire que je devrais, entre guillemets, seulement me changer les idées. Et là, j'ai besoin de plus que ça, j'ai besoin de me reposer. Ça me fait suer de l'admettre. Mais j'ai plus 20 ans, j'en ai le double. Là, je suis en route vers les 40 piges. Faut savoir écouter son corps. Alors attends, il y a un truc que je voulais faire, un tout dernier, que j'ai pas fait dans ma sauvegarde intermédiaire. C'est que je sais qu'il y a un paquet de munitions 9 mm pour le flingue. J'aimerais qu'elle en ait plein les fouines, la demoiselle Rebecca. Et qu'elle ait toute la réserve de munitions, quoi. Parce qu'après, je sais pas si on pourra revenir sur nos pas par rapport à là où on va avancer. On verra, on verra. Avec un peu de chance, pardon. Ça va être le scénario de fan-fan, c'est-à-dire que minute après minute, je vais aller mieux. Espérons. Non, j'espère qu'au moins demain que je sois en forme, que je passe, ouais, vraiment demain, que je sois en état normal, la joie d'être avec vous, de me divertir. Oh, je demande que ça. Alors, les munitions, elles étaient où? C'était dans moins 3, je crois, les munitions. Comment je fais pour bouger dans la carte? Ah, c'est comme ça. Pardon, hein, je prends mes repères. Il y a une salle. Ah bah c'est la moins 1. Ah, j'ai pas pris le bon embranchement. J'aurais dû prendre. Ça commence. Je me plante. J'aurais pas dû reprendre là. J'aurais dû aller là où le portrait a coulissé l'autre escalier vers les ténèbres, là, les sous-sols. J'ai une gêne au niveau de mes vêtements, mon textile, c'est chiant. Ah, je vous lis. Ah, fun fan. À partir de 50 ans qu'il faut écouter son corps. Attendez, je vais profiter des phases de chargement pour vous lire. Je me rapproche de 40 ans, mon corps me parle. Ouais, bah en fait, il nous parle tout le temps, il faut savoir l'écouter. Bah, oui, d'une manière générale, il y a une résilience. De toute façon, le corps humain est une machine biologique formidable. Formidable. Combien de fois j'ai ce débat-là avec mon ami qui est médecin? C'est... Waouh. Bref, voilà, c'est ça que je voulais qu'elle prenne. C'était les munitions. Je me souvenais que c'était là. Mais pourquoi j'ai ma barre... Ah, c'est parce que... Oui, d'accord, j'ai compris. J'avais ma barre Windows qui me cachait le signal de la PS3. Mais en fait, c'est un problème de superposition de... Juxtaposition de fenêtre. Alors Billy, dans l'inventaire, il a quoi? Il a de la place, Billy? Il peut prendre les jerrycans, mais il peut pas prendre les bouteilles, apparemment. Il n'y avait pas de bouteilles, là.
Ouais, Billy va prendre ça. Voilà, j'incarne Rebecca. Et on va faire le coup de la troisième plaque. Quoi? Si on est encore dans 10 ans? Là, dans 10 ans? Peut-être que je dirais que j'ai eu tort de dire ça. Ah, d'ici là, t'auras tout oublié. Au moins, à 40 ans, on peut encore faire plein de choses. Oui, bien sûr. Mais tu sais, il y a des jeunes à 20 ans qui sont complètement bouffés par la drogue ou malheureusement qui ont des problèmes de santé et qui sont patraques comme un centenaire. Et il y a des centenaires qui se portent comme des jeunes de 20 ans. Il y a des trucs impressionnants d'un point de vue humain. Donc c'est dehors qu'il faut que je gère la suite. D'habitude, c'est les anciens qui soutiennent mon discours et les jeunes qui me disent le contraire, le monde à l'envers, c'est pas faux. Voilà, la énième plaque, elle est là. Mais en fait, il faut jouer avec l'ascenseur. Vous vous souvenez du coup de la batterie? On récupère la caisse. Alors, j'ai pas compris, par la magie du démon, c'est de descendre l'ascenseur. Il faut revenir plus tard et la caisse a miraculeusement glissé pour qu'on puisse la manipuler. Le truc qui est très débile, mais bon. Alors que si on laisse l'ascenseur descendre net, bah la caisse reste sur dans la cage et on peut pas la bouger. C'est bizarre, c'est logique Capcom. Faut savoir qu'il faut revenir, c'est bon. Un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, voilà quoi. Mais là, vous voyez, je vous parle, je me sens fatigué et j'ai surtout un point de migraine, mais moyen, au niveau du crâne. J'ai un mal de crâne moyen, presque léger. Ah, il pourra pas prendre, il a pas l'inventaire vide. Que je suis bête. C'est à Rebecca de monter sur la caisse, si elle est pas trop petite. Et voilà, quoi. Voilà! C'était ça! Joie. Concentration, jeu. Faut pas exagérer non plus. Je dis juste niveau santé, faut commencer à faire attention. Il y a des femmes et des hommes qui sont beaux et belles à 40 ans, mais à tout âge, pardi, qui sont beaux. Mais on peut encore faire plein de choses, ça je confirme. Mais on parle pas de faire ça, Funfan. Le sujet, c'est la santé. Mais oui, encore heureux. C'était en haut les plaques, l'observatoire. C'était là. La retraite à 30 ans. J'avais choqué mon papa parce que je m'étais tapé un délire avec mes camarades de classe. C'était, je sais plus, c'était dans les années 90, une période où il y avait pas mal de grèves. Et on avait un problème en fait de remplacement de prof et on se retrouvait souvent sans cours. Alors ça faisait la joie de certains, mais l'agacement de d'autres. Une fois, j'étais en rentrant à la maison, j'avais dit à mon père, ouais, on a revendiqué des trucs, on a revendiqué la retraite à l'âge de 18 ans. Le truc complètement débile. Et je me souviens, mon papa qui m'avait rétorqué, il était pas content en disant, eh oh, faut pas penser comme ça, dis donc, faut quand même travailler dans la vie. Ah là 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 là. Ah, souvenir
adulte, on va dire de l'adolescence. Je fais des bêtises, on voit que je suis fatigué. Pardon. Oh, j'en ai tellement. Attendez. J'en ai tellement que je suis arrivé au max. Ah! Il faut savoir que le max, c'est 255. Ah ah ah! Oh! Merde, ça c'est un boss. Oh la chauve-souris, non. Je me souviens dans le jeu de tir, il y avait une chauve-souris. Oh! Comment ça bouge? Ouh là là! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui, il y a de l'eau en contrebas. Formation terminée, tu m'étonnes. Suis-moi, Billy. Ça doit être déverrouillé maintenant. Ouais, je pense que le gros boss, c'est la chauve-souris. Je fais le tour ou j'entre déjà? Je vais peut-être faire le tour. Oui, système de retraite, oui, il est bancal. Enfin, il est bancal. Il n'est pas équilibré. Mais ça, c'est entre guillemets un débat que j'aurais pu ouvrir avec vous et pas peut-être avec vous si j'avais été en forme. Là, comme c'est pas le cas, je suis désolé. Je surenchis pas dans le. Je vais pas faire de la surenchère dans le propos. Il y a une porte là. Okay. L'autre côté, il y a quoi? Ouais, ça va écouter son corps. Vu du dessus, il y a sûrement une énigme. Oh merde. Oh là là. Faut qu'un tel reste sur place. Généralement, tu fais coulisser une statue. Le courant semble coupé. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ouais, d'accord. Non, bah, je suis obligé de me taper l'énigme. Pour finir, même si tu es pas d'accord, selon moi, le corps peut encore avoir la bonne capacité de récupération jusqu'à 50 ans. Bah, il faut pas que tu l'aies esquinté, pas de tabac, pas d'alcool, une bonne hygiène de vie. Tous les médecins te le diront. Le pire, c'est le tabac, avant même l'alcool, il paraît.
séparez-vous. Voilà, ils se séparent. Elle va y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tremblement de terre? Oh, c'est beau! Là, tu m'es lavé Maria de Gounod. Ave Maria. Alors, blanc sur jaune, du mal à lire. Malgré son aura divine, il y a quelque chose de lugubre. Qu'est-ce que c'est que ces clanches? Rien du tout. Ah oui, tu peux même faire du sport quand t'es centenaire. Mais il faut faire attention, il faut faire l'échauffement toujours. C'est moi, on entend légère de piano dans le jeu. Salle de sauvegarde. Ah, merveilleux ça. Ouais, je veux bien sauvegarder. Allez, go. Si je m'endors en direct. Oh oh. J'ai bien fait de sauvegarder. Le duel. Batman. Pam, pam, message pam, pam. De FunFan 1992. Si le sage fait dodo, je fais CA. Very bad trip. Putain, tu m'étonnes. Tu parles d'un succès. Witch. Mais comment je vais m'en débarrasser de cette vilaine? Vous vouliez avoir de l'action, vous en aurez cet après-midi. Tombé comme un caca la pauvre. Ah. Le problème c'est que je sais pas si je touche. C'est chiant. Au secours! T'as comment qu'elle tombe comme un caca la pauvre? C'est moche. Allez, maintenant ou jamais.
Comment qu'il tombe comme un caca? Toi aussi, t'aimes jouer avec ton 9 mm. Tu fais des ch'tits trous sur la chauve-souris. Ah, c'est la guerre. Bah, au moins le jeu me distrait. C'est bien. J'espère que vous aussi. Sacré fun fan. Bah c'est pas faux. C'est pas faux l'idée que je serais peut-être plus en forme pour le soir, mais là ça va. Allez, quoi de mieux qu'un petit boss pour se remettre en forme. Mais j'ai à peine rechargé. Merde, c'est dégueulasse. C'est presque un boss drôle, j'ai envie de dire. Sauf que je le gère pas du tout. Bon, c'est pas bientôt fini ton cirque là. On en a marre de ce numéro. Non, 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 je suis vraiment fatigué. En fait, si tu veux, là le crâne ça va mieux parce que l'aspirine commence à faire effet. Mais parfois, si tu veux, j'ai une... Alors, petite pointe, toute petite pointe, faut pas s'alarmer. Un petit coup au... Je vais crever là, je suis en danger. Au niveau du cœur et au niveau des reins. Mais je finis par me demander si je me suis pas empoisonné, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis en sevrage en ce moment de caféine. Je me suis interdit de boire du café depuis lundi soir. De temps en temps, je me le fais parce que je me fais une purge. C'est-à-dire que je bois régulièrement de café. Et parfois, je sais qu'il est bon d'arrêter et de me mettre au régime de la caféine pour que rincer le corps. Moi, une fois, j'ai bu tellement de café par le stress au boulot que j'ai fini par avoir des boutons de varicelle un peu partout sur le corps. Mon sang saturait de caféine, ce qui est pas bon. Tu déglingues ton système nerveux. Donc là, j'ai peut-être des effets pervers de mon sevrage de caféine. J'ai mon corps qui se rince de la caféine et il est déglingué. Il a plus sa substance habituelle. Donc c'est chiant, mais si mon cœur, mes reins et le reste de mon organisme se rincent, ça fait mal. Mais bon, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Après, je me sentirai mieux les jours prochains et je pourrai reprendre tout doucement du café. Voilà, vous avez l'explication. Je pense que c'est ça. Ah bah oui, il fait des câlins à Minette. Ah, t'as pas bu de café de ta vie, eh bien. Oh, je l'ai touché là. Oh la vache. Juste avant qu'elle me chope, je lui ai foutu une balle. Elle a senti passer la chauve-souris. Mais je pense qu'il faut que je tire en haut, pas droit. Ce serait logique. Mais c'est dur de viser. Comment qu'elle tombe comme un caca, la pauvre. Mince. Je voulais combiner le ruban en craque avec le revolver. Faut arrêter. Eh, pistolet à encre. Ah, c'est rigolo, le pistolet à encre. Comique. Ah bah, il y a les petites qui s'y mettent maintenant. Barrez-vous, les chauves-souris. Mince.
sûr. J'essaye de bien jouer. Oh, j'ai touché le boss. Oh. Ah, de l'eau, jus d'orange, pomme et ananas. Eh bien, c'est un régime strict. Non mais je vais crever, c'est pas possible. Oh! C'était elle ou moi? Oh la bête! Au secours, Billy, sauve-moi! Vampire Hunter. On peut sans doute utiliser quelque chose pour y monter. Mary Poppins! Merci. 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 Bonjour, Pascal Bolen. Mary Poppins, elle ouvre son parapluie et elle s'envole. Oh, supracalichtifrudichic. Didadidoudada. Oui, bonjour Pascal Bolen, j'avais même pas vu ton arrivée, oh là là. Moi je suis barbouillé, hein. C'est pas la forme, mais je suis heureux d'être avec vous, hein, pour passer un week-end tranquillou. Là je vais mieux, j'avais mal au crâne, l'aspirine fait effet. Et, mais je suis claqué, ça me fait chier de le dire, mais je suis claqué. J'espère que vous, ça va en tout cas. Non! Pas ça que je voulais faire! Mais quel idiot! Okay. Suis-moi, mon gant. Je suis en train de me faire peur, mais je peux pas revenir en arrière, là, le coup du... de la plateforme. Le truc a... s'est décalé, non? Attends. Elle a les plantes pour se soigner, je vais faire un soin aux plantes. Mais il faudrait que je vérifie. Ça me fait mal de voir Rebecca comme ça. Ah oui. Pardon, c'est écrit sur l'écran. Resident Evil 0 sur PS3. C'est pas comme si j'avais posé créé mon interface pour pas qu'on me pose la question. Faut lire à l'écran, excusez-moi du peu. Vanneur, va. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Oh là 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 là. Non mais t'es tout excusé. Je te taquine de toute façon, Pascal. Mince. Je voulais pas aller là. Je voulais revenir à l'observatoire pour savoir si je pouvais revenir au manoir. Ce qui veut dire que j'aurais perdu tous mes objets. Quoique je dis ça va mieux, mais j'ai quand même le... de mal de crâne. Il faut pas que je bouge en fait. Faut vraiment que je reste inerte en repos. Bah et encore, j'avoue, j'ai mon interface qui est buggée. J'ai deux compteurs à zéro qui vont bientôt fonctionner. Je suis en train de me programmer un compteur de messages. J'y suis presque.
est le compteur de spectateurs en temps réel. À plus, SDR. Bon après-midi. À plus tard. Bon courage si tu vas au boulot. Je reviens là. Oh, le génie. Le génie du coup de l'observatoire. Ah, c'est vraiment ingénieux. Merci, SDR. À plus. Rester en mode Rambo. Je vais prendre un spray sur moi si ça tourne mal. Et ben voilà, je progresse tout doucement. À plus, Pascal. Merci d'être passé. Oui, tu repasses quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai mal à l'épaule. Je sais pas pourquoi. Mon épaule me fait mal. Au niveau musculaire, c'est étrange.
J'avais pas fouillé l'opposé de la nef. Ah, mon nom PlayStation? Non, non, non. Non, non, j'ai ouvert mon compte PlayStation bien avant de prendre mon pseudo Twitch. Je sais même plus c'est quoi mon identifiant PlayStation. Je te le donnerai en antenne, FunFan, à l'occasion. Si j'oublie de le faire spontanément, tu me le rappelles dans le Discord, en MP, et puis... Oui, oui, merci, c'est gentil. On se fera sûrement un jour un RE5 ensemble, si tu veux. Ce sera avec grand plaisir. Mais, voilà. De tête, je sais plus, pardon. Là, j'ai à nouveau une douleur, entre guillemets, dentaire. Mais c'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai une dent qui va me pousser depuis le palais du haut de la bouche. C'est une sensation assez désagréable. C'est surréaliste, mais c'est ce que je ressens. Le lance-grappin. C'est ça. Pour aller sur le toit, il me faut le lance-grappin. Je viens de piger. Oui, puis tu dois le faire avec Aeroster, je crois, normalement. Enfin, c'est possible. J'ai l'impression presque d'être un nourrisson et d'avoir une dent qui va pousser, qui va sortir de mon palais. C'est une sensation très bizarre, j'ai l'impression d'être redevenu un petit haut. Enfin bon.
lance grappin est où? Oh, je l'ai mis là où il y a le train. Au tout début. Alors, une fois, pardon, excusez-moi, une fois que j'aurai fini le jeu, je regarderai avec plaisir sur internet un speedrun, voir comment il le fume en quelques minutes. Ce jeu qui est beau. J'allais dire tant que je suis là. Oh et puis crotte, ce sera pour Rebecca. Je vais lui mettre l'amélioration du flingue. Elle aurait dû l'avoir contre la chauve-souris. Au moins c'est fait. Sans regret, ça fait peut-être un peu loin. Je vais peut-être prendre un autre spray tant que je suis là. Je vais prendre un autre spray que je déposerai dans la proximité de l'église. Au moins, j'aurai pas à faire l'aller-retour. Si j'ai une patoune qui pourrait me servir un peu de coussin. Ah si, c'est bien. Ah. Optimisons le confort. Il est 15 h. Je prends pas la bonne porte. Non, ça va pas. Comme le truc a bougé, il va me dire que je peux plus y accéder. Pardon. Et oui, là, du goûter pour les enfants. Ou les grands enfants. Comme moi.
pense que je peux déposer là de la vie. Scène d'action, c'est parti. Avec Rebecca. Oh la vache. Eh bah elle est au perché la malheureuse. Waouh. Ah, ce disjoncteur. Coupe-circuit sans alimenter l'ascenseur. Oui, on actionne. Putain, la vache, on est au bord de la mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, la mer. Elle a la chance de pas se prendre la foudre. Cette vue. Je peux pas redescendre dans le sens inverse avec le grappin? Je pige plus là. Je vais regarder la carte. Oh, il fallait que je déverrouille la porte. Oh là 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 là. J'ai même plus pensé à la porte. On va dire que mon cerveau est en béchamel actuellement, puisque j'ai mon mal de crâne. Quel idiot je fais. Oh, belle porte. Belle porte en fer forgé. Je vais demander à Billy de me rejoindre. C'est pas comme si on allait descendre dans les ténèbres. C'est l'ascenseur pour accéder au labo secret de Umbrella.
Nous allons descendre au cœur de l'horreur. Non. Je me suis trompé de gâchette. Allons au cœur de l'horreur. Une belle cage d'ascenseur en fer forgé. Un peu de lecture. Journal de Marcus 2. Cette page a été déchirée. Il ne se passera sans doute rien, mais j'ai mis mes bébés dans une capsule spéciale. Je ne peux pas la conserver moi-même, ce serait dangereux. Je vais la cacher ici. Pour cacher une feuille, mets-la dans une forêt. Pour ouvrir la capsule, il faut utiliser un décapant spécial. Les larbins de Spencer ne sauront jamais comment s'y prendre. Ah, vous vous souvenez de la substance verte que j'ai mise dans mon mélangeur à l'infirmerie du manoir? Ça doit être un des deux, ou enfin l'un des ingrédients, à mon avis, de cette substance. Pardon. Il y a du beau mobilier. Oh, c'est beau. Oh, ça en jette. Oh, la classe. Bon, bah, on va encore faire usage du grappin. Go, go, gadget au grappin. Pardon. Il y a un ordinateur. Il ne s'allume pas quand vous appuyez sur le bouton. Oui, non, mais c'est la note sur le siège qui m'intéresse, moi. Bon, apparemment, on verra après. Oh non. Bien. Ouh, elle a évité.
ce plan de fou. Oh la zone, toi. Comment je fais pour revenir pour redescendre? Je vois pas comment. Alors, avertissement, c'est quoi cette salle? Oh, oh là là, modèle rudimentaire de machine à écrire. C'est pas rassurant mon histoire. J'ai pris de l'aspirine et j'ai encore une barre de fatigue au front. C'est pas bon signe mon histoire. Si j'arrive à avoir la barre de fatigue au-delà de l'aspirine, c'est que j'ai un truc mauvais qui se trame dans mon organisme. C'est que je fatigue. Bonjour Devil Alive. Ah oui, tu apprécies les machines à écrire? Bah, je sais plus si c'était sur ta chaîne ou quelqu'un qui disait, peut-être Zex de Citron, qui disait il dirait pas non à reprendre une bonne vieille machine à écrire. Alors, pardon hein, si je suis mou et pâteau, je suis dans un état second, je suis barbouillé. La fatigue, je sais pas, un coup de froid, je suis patraque. Donc j'arrive à jouer à diffuser, mais en version mou. Mais non, j'ai vraiment la barre de fatigue, c'est chiant. Ça, c'est des zombies qui vont se réveiller. Oh, les portes, elles sont magnifiques. Oh merde. Merde, homme. Tiens, un papier.
Un rapport d'enquête. Docteur Marcus, cofondateur avec le président Spencer d'Umbrella Corporation. Disparu depuis 10 ans. Les résultats de ses recherches ont été étouffés pendant tout ce temps. Nous avons compris pourquoi ici, au centre dirigé par le docteur Marcus, enfin pas exactement ici, mais au sous-sol, en nous y aventurant, tout est devenu clair. Nous y avons trouvé des preuves des recherches du docteur Marcus sur un prototype de virus T baptisé précurseur. Des preuves d'années d'expérience ignobles sur les employés de la société utilisés comme cobayes. Nous ne savons pas combien ont été contraints de se plier aux expériences, mais selon mes preuves, il y aurait au moins 20 individus concernés. Certains ont été délibérément éliminés, enfin, certains ont été délibérément éliminés pour garder le secret. On ne sait pas ce qui est devenu le docteur, mais étant donné la croissance rapide de la Corporation, je ne peux m'empêcher de penser que ses recherches se poursuivent. Oui, ces créatures vivent et continuent de se développer dans l'ombre. Ces choses, le fruit de ces recherches, infestent le centre. Enfin, ce centre. Il manque le reste du carnet. Rapport d'enquête. Oui, bah c'est la lotion qui me propose Embryon. Pardon. J'aimerais retrouver un escalier et retrouver Billy. La porte ornée d'un buste de Marcus. Un trou pour y mettre un objet. On verra plus tard. Ils ont barricadé, je sais pas quoi. Pardon. Ah non, c'est une table d'expérience qui a été renversée. On est où là? Un parc, on est au cœur de l'horreur. Alors je vois une échelle escalier, mais je sais pas comment l'atteindre. Oh, je vais rejoindre Billy, moi. C'est quoi ça? Un monte-charge ordinaire pour transporter les objets. Apparemment, il est relié à la bibliothèque. Ah, attends voir. Billy, il est où Billy? Y avait un monte-charge dans cette bibliothèque? Pardon. Excusez-moi, je bâille comme un fou furieux. Ah oui. Ah bah je pouvais sauvegarder ici en plus. On peut se passer des trucs. Ah, j'ai envie de dire oui, mais quoi? Oh. Mon avis, il faut qu'elle trouve quelque chose d'exceptionnel, Rebecca. Qu'elle envoie à Billy et puis. Ah, si je lui envoie le lance-grappin, il peut me rejoindre, non? Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, on va dire, elle est peut-être bloquée. Bah oui, c'était sûr. C'est plein de gaz toxique. La serrure de sécurité a donc été activée. Ah, d'accord. Il faudra un réceptacle au gaz. Ah, il y a une note. J'ai failli ne pas l'avoir. Croissance des sangsues. 3 février 78.
T'es administré à 4 sangsues. Leur instinct de survie les pousse d'abord au parasitisme, puis à la prédation. Ensuite, elles se reproduisent et se multiplient. Leur profil biologique tenace en fait des candidats de choix pour la recherche sur les armes biologiques. Ensuite, aucun changement majeur à signaler. 10 février. 7 jours depuis l'administration du T, croissance rapide, doublement de la taille. Signe de transformation perceptible, reproduction prolifique. Leur nombre a doublé en une heure, mais leur appétit insatiable les pousse au cannibalisme. Waouh. Augmentation immédiate des rations, mais perte de 2 spécimens. Le 7 mars. Test avec de la nourriture vivante. Et perte de la moitié de l'effectif quand la nourriture s'est défendue. Cependant, les sangsues apprennent vite et développent des comportements d'attaque en groupe. Le cannibalisme commence à cesser. Leur évolution dépasse toutes les espérances. 22 avril. Les sangsues ne font plus preuve de comportement individuel, même hors des périodes d'alimentation. Elles agissent collectivement. Elles consomment ce que je leur donne avec une efficacité surprenante. 30 avril. Un employé a découvert par hasard mes expériences. Un humain peut-il servir de nourriture? Comment vont réagir les sangsues? Quelle horreur. 3 juin. Un jour a marqué d'une pierre blanche. Aujourd'hui, elles ont commencé à m'imiter. Elles reconnaissent leur père, prodigieuse créature. Personne ne vous fera de mal. Ah là 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 là. Ah bah le coup des sangsues, on démarre ici. Ah la vache. Fermé. Ah. Ça y est, le document. Journal du directeur du laboratoire. Aujourd'hui, j'ai changé le code d'accès de la plateforme conformément aux ordres du directeur Marcus. Je lui ai demandé d'où venait le code d'accès. Il m'a dit qu'il était basé sur des épisodes marquants dans la croissance de ses enfants. Mais le directeur est un solitaire. Il n'est pas marié, j'en suis sûr qu'il n'a pas d'enfant. Qu'a-t-il voulu dire? Je vais essayer d'évoluer un peu avec Billy. Oh. Pardon. Oui, bah, bibliothèque qui parle des virus. Attends, je suis où en fait? Ah. Parce que c'est une porte dans mon dos? Ça, c'est une porte? Mais non.
Là, je comprends pas la carte là. Que si je remonte en haut, j'ai un intérêt ou pas? Non. Je réfléchis, hein, excusez-moi. Bonjour. Je crois que c'était un signe électrique, le coup de la flèche machin. Mais non, c'est pour dire faire usage du grappin. Un autre endroit où je peux faire usage du grappin, ok. Ça, c'est la chapelle. Et Rebecca, elle est là. Lui, il est à moins 2. Non, c'est Rebecca qui a toutes les cartes en main. Attends, je réfléchis, le coup du gaz, un contenant, lequel? Pour le... Quand même pas une bouteille, non? Non, bah non, c'est pas logique. Enfin, je pensais une bouteille de vin, mais non, c'est exclusivement pour le Molotov. Je vais réincarner Rebecca, c'est bizarre. C'est quoi ça? Oh là là! Des échantillons de sangsues. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est le cœur même du mal là. Ah mais oui, ça va me faire un réceptacle pour la chambre à gaz. Ouais. Que mon revolver, ouais, est rechargé, ouais. Tiens, elle en dit quoi à l'examination? Burke. La capsule semble contenir un spécimen de sangsue. Impossible d'ôter le couvercle. Non, bah, vaut mieux pas. Je sais plus. C'était là-bas, je crois. Ah.
Que disait le texte? Non, pas la carte, les documents. Quatre. Alors, doublé. 4-8. 4-8-2. 4-8-2-1. Quatre, huit, deux, un. Je pensais que la capsule allait servir, mais non. Il faut vraiment que je fasse sauter le couvercle et que... Ah! Il faut que je passe la capsule à Billy qui va la faire chauffer avec son briquet. Je sais plus, c'est là qu'on s'échange les objets? Faut faire fondre la cire. Faut faire fondre la cire. J'ai compris. C'est de la cire qu'il y a autour du container. Là, ça va lui faire bizarre, Billy. Quoi? Qu'est-ce qu'elle m'envoie? Une cellule à sangsue? Que signifie? Ah si, il a de la place, ça va. Il faut que je lui renvoie la capsule déverrouillée. Quoi? Comment ça, non? C'est la substance, mais non, c'est le truc vert qu'il faut mettre. Oh mon Dieu, il faut redonner ça à Rebecca. Effectivement, Billy n'a pas besoin de ça. Je pensais que c'était de la cire lambda, mais non, mais ils l'ont dit dans le document, l'autre, ils se vendent que les autres nigauds trouveront pas. Redonne-le à Rebecca, va. Oh là 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 là. Oh. On voit que mon chrono tableau mystère est déglingué. 1 h et 96 minutes. Faut vraiment que je corrige ma copie là.
Ces puants contiennent une substance chimique verte, elles sont capables de neutraliser les poisons. Message de FunFan 1992, le chrono il est comme toi, il est fatigué XD. Yeah. C'est malheureux, mais il y a de ça. Alors, il faut que je trouve de la substance ailleurs. Je dois pas avoir tous les ingrédients en fait. C'est en forme de quoi l'objet dans la porte? Oh, j'ai ma douleur à l'épaule qui revient. C'est bizarre. On voit qu'il y a un texte, un texte gravé sur la porte. J'ai stylé. Ça n'a pas de forme ce truc, c'est pas possible. Il y a un trou à la base pour mettre un objet. On m'a dit que ça va être un sacré levier, machin. Ah, où est-ce que j'aurai des substances? Là? Couvert de saleté, ouais, c'est tout, mais c'est pas une substance. Ah! On dirait une. Ouais, oui. Vous avez déjà de la substance verte. Ah bah merde, c'est la même. Oh, j'en ai marre de jouer les échantillonneurs là. Des substances ailleurs, si. Ah! Ah! Ça y est, j'ai le décapant. Enfin! Amulette sans su bleu. Mais c'est le contenant que je voulais récupérer, pas le contenu. Oh mon dieu, c'est le levier. C'est le levier à la noix. Oh là là. On avance lentement, mais sûrement. Oh, c'est pas la bonne clé. Du coup, elle l'a récupéré. Ah oui. Ah, après, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre?
Ça c'est toujours verrouillé. Je vais y arriver. Oui, c'est toujours fermé. Je vois pas. Là, j'avoue, j'ai pas d'idée. Ouais, toi non plus, t'as pas d'idée. Hein. Je pense qu'il y a un intérêt forcément avec le monde charge, mais je vois pas quel objet dans l'immédiat. Attends, c'est un escalier ça? Non? Ah non. Oui, ils sont effondrés, ouais, je pouvais pas les implanter. Ouais. Chapelle, si.
je vois pas. J'ai pas d'idée là. Observons les cartes. Oui, bon, ça c'est le toit. La chapelle. Premier sous-sol. Deuxième sous-sol. Mais je suis navré, mais vu comment je fatigue, à mon avis, je vais sauvegarder. Attends, Rebecca, c'est elle qui a les rubans ou pas? Je sais plus. On va laisser la sangsue ici. Oula. Oula. Oula là, j'espère que j'ai pas fait une bêtise. Je pense que je vais arrêter le direct et en fait je vais aller faire une sieste. Je vais essayer de me régénérer, de récupérer de l'énergie pour de bon. Merde, du coup j'ai plus de ruban encreur. Oh le con. Bah si, il est là le ruban encreur, non? Je reprendrai l'antenne quand je serai en forme. Je pense un peu avant ta prise d'antenne, FunFan. Comme ça, évidemment, je te ferai un relais de chaîne. Je vais pas faire le foufou. Je vais écouter mon organisme là qui me dit dodo. Tu vois, j'arrive même plus à faire ce que je veux dans le jeu. J'arrive plus à réfléchir. Mon cerveau est en train de s'éteindre dans le sens dodo. Oui, merci. C'est plus... Je vais pas forcer. Je vais pas me mettre plus dans le mal. J'ai une occasion de dormir. Je vais la saisir. Puis voilà, quoi. Ouais. Au moins, comme tu dis, je serai plus en forme pour toi ce soir. C'est là où je vais faire ma nuit complète. Que je vais pas me réveiller à 21h mais à minuit. Au pire des cas, ça m'étonnerait, mais si ça arrive, si tu me vois pas me manifester à toi à 21h, FunFan, t'improvises un truc, mais je pense pas que ça arrivera. Je pense que je me réveillerai avant, mais là j'ai besoin de faire dodo. Wally Walou. Oui, bah je pourrais éteindre le... bah je peux m'éteindre comme ça, je crois. Hop là. Hop là. Wally Wallo. Donc
Donc, merci à toutes d'avoir regardé. Désolé que je coupe l'antenne. Mais je vais aller au dodo. J'ai besoin de récupérer. Et je reprendrai l'antenne après. Donc, au plus tard, théoriquement, je reprendrai l'antenne auprès de FunFan à 21h sur sa chaîne pour les samedis commentés où il reprendra Deus Ex. Donc voilà, désolé, mais je vais pas forcer, je vais pas me mettre dans le mal. Là, un petit dodo. Peut-être que je reviens dans 1 heure, hein, je sais pas. Mais ceux qui suivent ma chaîne, vous aurez la notification. Et au pire, vous regardez la rediffusion. Voilà, puis peut-être que je passerai sur un autre jeu après, je sais pas, je verrai. Allez, merci à vous d'avoir regardé. Bisous tout plein. Et à bah, dans les prochaines heures. Je vous dis dans les prochaines heures. Ciao, ciao. Et merci pour ta modération, fan fan.